Derrière les ailes. 2350 mètres. Voilà, ils ont retrouvé la voiture. Voilà, les concurrents qui se mettent en ordre de bataille. On nous a dit qu'il fallait faire attention avec Gracieux Le Foll, enfin Marco Chouli, hein, dit qu'il devait assurer les premiers mètres de course. On voit qu'il le fait. Il a repris son cheval, tout comme Geisha Captain, alors que Livy of You HM, avec sa vélocité initiale, s'empare du commandement devant Go for Jet. On est là déjà en quatrième position avec la grandissime favorite Queen Ocagne. Les concurrents qui sont dans le premier virage de cette épreuve, Livy of You HM, qui va être rejoint à son extérieur par le numéro 8, Gracieux Le Foll. On doit assurer également les virages. On voit que il faut être très attentif avec Marco Chouli, mais obligé de virer tout à l'extérieur avec son partenaire qui va pouvoir accélérer en sortie de tournant, mais il ne faudra pas faire ça à tous les virages. Livy of You HM, le numéro 3, qui a le meilleur pour sortir du premier tournant derrière lui. On va retrouver Queen Ocagne à son extérieur, Go for Jet, le numéro 1, et tout en dehors, le numéro 8, Gracieux Le Foll, Marco Chouli, qui avance maintenant avec Gracieux Le Foll pour venir s'installer en tête, comme il l'avait fait dans la première épreuve, avec Dola Giri. Espérons que ce ne soit pas le même dénouement final. À un tour de l'arrivée, le numéro 8, Gracieux Le Foll, qui prend une, deux longueurs d'avance au peloton. Peloton qui est emmené côté corde par Livy of You HM. À son extérieur, Trotlas Go for Jet. On est là ensuite avec Queen Ocagne, plein bras, Barbara et Bichère. Ferroki est à son extérieur. C'est le numéro 6. À l'arrière-garde, on va retrouver Geisha Captain ainsi que Elomis et Fast de la Fenette. Concurrents qui vont aborder la ligne opposée. On va toujours que peine un peu à tourner pour le numéro 8, Gracieux Le Foll, qui courait main droite à Vichy. Et là, c'est un peu main gauche. Avec Go for Jet qui est à son extérieur. Fast de la Fenette, lui, est toujours à l'arrière-garde dans le wagon de l'extérieur. Alors que Queen Ocagne, elle, est côté corde. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée avec toujours au commandement le numéro 8, Gracieux Le Foll. On vient avec Livy of You HM. On est là également toujours avec Go for Jet avec le numéro 6, Ferroki qui est là. Derrière Ferroki, on va retrouver le numéro 2, Face de la Fenêtre, Anne Lopierre qui sort maintenant du sillage de Ferroki pour se rapprocher de la tête de la course. Tête toujours emmenée par le numéro 8, Gracieux Le Foll, Face de la Fenêtre qui progresse maintenant vivement à l'extérieur, qui vient sur la ligne des chevaux de tête. Go for Jet, le numéro 1 qui est toujours là, Livy of You HM également sur une deuxième ligne côté corde, alors que Queen Ocagne, tenue plein bras par Barbara et Bichère, est toujours engloué au sein du peloton, alors que maintenant Face de la Fenêtre prend un minime avantage sur Gracieux Le Foll, qui avait toujours un peu de peine à négocier son virage. À sortie de tournant, c'est le numéro 2, Face de la Fenêtre, qui a pris l'avantage. On se décale maintenant avec Gracieux Le Foll, le numéro 8. Quant à Queen Ocagne, il a trouvé l'ouverture et vient maintenant très vite. Ils sont plusieurs à lutter pour la victoire avec maintenant Queen Ocagne, le numéro 9, qui prend l'avantage avec le numéro 8, Gracieux Le Foll, qui lui résiste. On cède avec Face de la Fenêtre avec la victoire pour Queen Ocagne, le numéro 9. La favorite va mener sa tâche à bien. Deuxième place pour Gracieux Le Foll devant Livy of You HM. Et il y aura une photo pour la quatrième place de cette compétition. Avec ce sera certainement Elomis qui va prendre cette quatrième place. Oui, on verra, elle va venir régler le sort de Face de la Fenêtre qui a attaqué peut-être un peu trop. Elle a dit qu'il courait à 7 jours. Ça, c'est peut-être pas le bon plan pour ce Face de la Fenêtre. Mais la victoire est pour la grandissime favorite, le numéro 9, Queen Ocagne, tenue plein bras durant le parcours par Barbara Bichère. Et quand elle a trouvé l'ouverture au début de la ligne droite, il y avait elle et les autres. On notera la bonne tentative de Gracieux Le Foll, bonne recrue. S'il tourne mieux, ce sera plus probant lors de ses prochaines tentatives. Livy of You HM, fidèle à son habitude, prend un accessit. Et la quatrième place pour le numéro 4, Elomis, 9-8-3.